Aujourd'hui, la filière est confrontée avec beaucoup de difficultés. Les principaux défis sont à trois niveaux. Et ce qui fait que la production tarde donc vraiment à satisfaire donc aux besoins donc des Burkinabés. Et ils ont reçu donc des équipements qui sont adaptés et qui arrivent à produire du riz de qualité. Il faut dire que ce projet AgriInvest, donc, qui est financé par la coopération italienne avec l'appui technique, la FAO, va en droite ligne donc avec la politique du gouvernement et donc celle donc du chef de l'État qui prône de produire 1 million de tonnes de riz. Il faut travailler aussi à améliorer l'accès au financement pour que les transformateurs puissent aussi améliorer leur surface financière et constituer un bon fonds de roulement et acheter aussi des équipements performants pour améliorer la qualité et répondre aux exigences des consommateurs. Nous pensons que le projet peut contribuer à développer la filière au Burkina.